Fromentine, le photographe de l'extrême. Ah, vous mettez ça. Bon, les gens, on est perdus. Alors, je sais pas si on m'entend parce qu'il y a quand même beaucoup de vent. Et donc on est à Fromentine et on fait une petite balade de je sais pas combien de kilomètres. Je dirai ça quand ce sera fini. Et bien on continue notre petite promenade, on est déjà rendu à 3 km. Je pense que ça fera peut-être moins de 4 km ou 4 km. On n'est pas encore arrivé et là on repasse sous le pont. Le noir moutier. Le photographe de l'extrême, le photographe sauvage. C'est dans la boîte. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour d'Avignon. Et donc, on est parti tous les trois. Et je vais monter devant et c'est mon premier tour d'Avignon. Attention à la tête. Voilà. Ah, vous mettez ça. Et voilà notre pilote. Ça, personne derrière, personne à côté. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ça va.
monte, ça monte. On s'amuse à faire une petite randonnée. On est parti du P de blé. Ah merde, ça s'appelle comment? Le P de la blé. On a pas dû... le P. Pas le P, t'as un PEY, je vais l'afficher sur l'écran. Et en fait, c'est bien parce que vu qu'il fait vraiment super chaud aujourd'hui, je crois qu'ils annoncent 30-31. Et là, on doit être genre presque midi. Et ben, c'est dans la forêt domaniale de Notre-Dame-de-Mont. Donc juste avant, j'ai fait le justement en haut du P de la Blé, le point culminant là, le panorama. Et là maintenant, on marche dans la forêt. Donc on a un petit peu d'ombre et tout, ça fait du frais, ça fait vraiment du bien. Et il y a beaucoup de coureurs ici, parce que je crois que ça doit être un chemin de trail, un truc comme ça. Et franchement, pour ceux qui courent, ça doit être hyper agréable. Enfin, même pour ceux qui marchent, même pour ceux qui font du VTT. Bref, c'est cool. Bon, les gens, on est perdus. Bon, on n'est pas vraiment perdu, mais sur le coup, on a suivi une trace de trail, machin. Puis à un moment donné, on s'est dit, on va couper pour gagner du temps plutôt que de se rallonger. Sauf que du coup, on a pris un chemin et quand on regarde la trace GPS, quand ça capte, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de réseau, et ben en fait, on est sur un chemin qui n'est pas du tout matérialisé sur la carte. Mais bon, notre instinct nous dit que tout droit, c'est la mer, donc on va vers la mer. Voilà. Et puis, si jamais on est perdu, bah, pour de vrai, on lui dira. Et si jamais vous voyez vraiment cette vidéo qui est publiée, c'est que forcément, on a retrouvé la vie et tout. On a retrouvé tout ce qu'il fallait pour qu'on ne soit pas perdu, quoi. Ouais, la mer. Plage des Lèzes. Il fait chaud.